suis Julien Barbière, je suis le chef de la section de la politique marine à l'UNESCO, à la Commission océanographique intergouvernementale de l'océan. Et je suis aussi le coordonnateur de la décennie des océans. De l'océan, pardon. Important. Alors, la collaboration internationale, principalement dans le domaine des sciences, c'est-à-dire comment justement organiser la science, la financer, comment créer des partenariats et surtout comment l'utiliser. Comment on peut utiliser la science justement pour mieux gérer l'écosystème marin, pour mieux protéger la biodiversité, pour développer l'économie bleue dont on parle beaucoup, mais bon, c'est aussi important de bien comprendre ce qu'il y a derrière ces termes-là. Et donc, à travers cette décennie, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de créer un cadre international pour investir dans les sciences et puis pour générer une connaissance qui va être utile. Je pense que ce serait bien que les États investissent un peu plus justement dans le domaine scientifique. Nous, quand on regarde un peu, on fait un état des lieux au niveau international, on voit que finalement les sciences océaniques, qui devraient être un petit peu la base de l'action, sont sous-investis. En général, on a environ en moyenne 2% des budgets nationaux de la recherche qui sont attribués aux sciences océaniques. Donc je pense qu'il y a un vrai besoin d'une prise de conscience au niveau des États, des chefs d'État qui vont venir ici, pour comprendre que cette relation avec l'océan qu'on essaie de construire, c'est une relation qui doit passer par la connaissance. Et pour la connaissance, il faut avoir les infrastructures, il faut avoir le personnel, il faut avoir les capacités et l'expertise. Donc c'est vraiment notre message principal. Et à travers la décennie, on veut essayer de justement changer ce paradigme. Un lieu d'émerveillement, d'abord. Je pense qu'on est là pour voir de belles choses, mais surtout aussi de partager et d'échanger. Donc c'est ça, apprendre et échanger.